l'atelier du chalet. Alors aujourd'hui, avec tout ce bois, aujourd'hui, eh ben on va fabriquer un banc en bois pour le jardin. Alors, pourquoi un banc en bois? De bonnes raisons. Le printemps est là, les beaux jours arrivent. Ben, il est temps de se faire un petit truc sympa pour l'extérieur. Et puis deuxièmement, ben, il y a le confinement. Donc, profitons-en pour faire des copeaux. Alors, pour ce projet, j'ai fait un rapide plan de profil. Donc ici, on a le montant arrière, la traverse sous assise, le poteau avant et également une traverse basse. Et ici, on voit les trois lames d'assise. Se rajouteront ici deux lames pour le dossier. Rapidement, pour vous montrer avec quel plan je travaille, voilà. Donc j'ai fait un choix, poteau arrière, il fait à peu près 80 cm, largeur sur 40 cm, voilà. Alors pour le bois, c'est pas compliqué. Les poteaux qui sont ici font 2 mètres de long. Dans l'atelier, j'ai du mal à manipuler 2 mètres de long, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, couper à longueur approximative les différentes pièces de bois, que je vais dégauchir, raboter à la bonne dimension, à savoir que les poteaux ont une section de 60 par 40. Les planches d'assises font 25 mm d'épaisseur et font 120 mm de largeur. Je crois que le banc final, les planches d'assises font 1200 ou 1500. Suite à un problème de caméra, vous ne verrez pas le débit tout simplement à la scie à onglet, débit à longueur des différentes poutres. Petit problème de caméra, désolé. Alors tout simplement ce que j'ai fait, c'est que j'ai débité mes sections qui font 60 par 80 je crois. Donc du coup, on va dégauchir et raboter tout ça pour arriver sur une section 60 par 40. Donc ça c'est un des grands poteaux, là il y a le deuxième, et ici j'ai pas sectionné encore, ça c'est un des poteaux avant, ça c'est une des traverses, je l'ai laissé ensemble. Ça fait à peu près un mètre, donc c'est ce que j'arrive à peu près à bien manipuler avec la raboteuse dégauchisseuse. Allez, c'est parti pour le dégauchissement et le rabotage. Pour bien dégauchir, il est primordial que les câbles d'entrée et de sortie soient bien lubrifiés. Petite astuce que je vous ai donnée dans une autre vidéo, c'est l'application d'une bougie par friction sur les tables, ce qui permet au bois de bien glisser.
Après l'étape du dégauchissement et du rabotage, il est temps de faire le tracé et de la mise à longueur à la scie à onglet. Maintenant que j'ai toutes mes sections mises à longueur, il est temps de passer à la première étape de finition, c'est-à-dire le chanfrein sur les quatre coins de toutes les pièces. Pour réaliser cette première étape de finition, j'utilise ma défonceuse sous table sur laquelle j'ai monté une fraise chanfrein 45 degrés. Il est temps à présent de tracer l'ensemble des tenons sur toutes les pièces. Les tenons sont faits avec la scie sous table. Pour le réglage de la profondeur, j'utilise ici un vernier, une jauge de profondeur.
Nous passons à présent au traçage des mortaises. Pour la fabrication des mortaises, j'utilise la mortaiseuse de chez Kitty, qui équipe la table Kitty que j'ai. Je vais utiliser ici une fraise de défonceuse diamètre 10. Les mortaises sont 20 mm, ce qui me permettra en deux passages de faire ma mortaise. Toutes les mortaises seront finies au ciseau à bois. Après le taillage de toutes les mortaises, il est temps de faire l'assemblage et de vérifier si tous les angles sont bons.
renouvelle à présent toutes les opérations de traçage de mortaise, de taillage de mortaise et d'assemblage pour la deuxième partie du banc. Taillage des mortaises du support numéro 2 que la partie 1 s'achève. Je vous invite à suivre la partie numéro 2 dans laquelle je vais effectuer l'assemblage des deux supports ainsi que le façonnage des autres pièces de bois, c'est-à-dire les lames d'assises et de dossiers.